2:35. So this is a slower pace than last year. We will be timing that, and we'll see what's happening. And again, from beaucoup de médias, cette base qui était morte tout à l'heure, eh bien, vraiment prend vie avec l'arrivée des premiers coureurs de cette UTMB, les premiers coureurs masculins. Et le voilà qui arrive. Here he comes, Jim Walmsley. Jim, qui comme l'an passé, rentre en tête ici. Coming in and is already like open, wide open t-shirt. It's gonna take off. And there we go. So Jason's taking care of the pack as expected, as planned. Et ce qui avait été annoncé par Jess, hein, c'est qu'il est vraiment en train de se changer pour repartir avec des vêtements secs vers le grand col ferré. To put on a long sleeve t-shirt, so leave the life base, leave Courmayeur with a fresh t-shirt. Et on voit que c'est vraiment la première chose qu'il a fait, hein, en arrivant, il a enlevé son chandail à manches longues et ça a l'air d'être sa préoccupation première. Effectivement, il avait le chandail ouvert et puis là, il le change pour un chandail sec, mais à manches courtes. À manches courtes alors qu'il est rentré avec un manche longue. J'aurais aimé lui poser la question, qu'est-ce qu'il y avait dans la petite purée ici, là? Eh bien, il nous disait que c'était du riz avec de l'avocat. De l'avocat, ouais. Et vous voyez que pendant que Jim est en train de se changer, de s'alimenter, et ben Jess est en train de refaire le plein du sac. Donc ça, on verra tout à l'heure aussi. On ira demander à Jess si c'est des choses qu'ils ont répétées chez eux avant de venir ici. Mais voilà, on voit aussi qu'aujourd'hui, pour être performant dans la haute performance, tout est parfaitement contrôlé, millimétré. Et aussi, ce qu'elle disait tout à l'heure, c'est qu'ils préfèrent prendre pour repartir dans les meilleures dispositions plutôt que de faire un ravitaillement express qui pourrait peut-être lui coûter quelques erreurs. Yes, indeed. So we're seeing the predicted process come into play where Jim is sitting down and then eating real food. So he had a bit of rice, he had a bit of nuts, a few chips. And then after he's changed his t-shirt, and in the meantime, Jess is filling his pack. So very, very timed, very planned, because again, every second counts. So they are both doing what they need to do. And again, as she said, efficient but not rushed. It looks like we might be getting our second and third runners coming through. So you reckon second and third, deuxième et troisième coureurs, ce qui serait du coup Zach Miller et Tom Evans. Oui. Voilà, ça s'agite hein, dehors, on entend... Les vuvuzelas, là, on entend beaucoup de gens crier. En tout cas, le public, ça va, le c'est public imminent. Est bien présent. Ça y est. Tom Evans, Zach Miller. Et oui. Alors Zach Miller d'abord. Zach Miller en voilà, premier. Il va aller voir Sergi. On va tout de suite essayer de se rapprocher. Zach Miller a exactement 2 minutes 38 de retard sur Jim Walmsley. Voilà. Pendant ce temps-là, Jim a déjà remis le sac. Il est paré à repartir. Il ne regarde même pas Zach Miller pour l'instant. Aucun coup d'œil, rien du tout. Il reste concentré sur sa course. Focus sur son effort. Il a repris une lampe neuve. And Fred, so yeah, Zach Miller, same. Chose to sit. He had a banana with the peanut butter. And then he is about to refill his pack. Oh, and that was a very quick turnaround. I